Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va réinstaller une puce. Donc la dernière fois, on a mis une Ataini 45 dedans avec PSNi, sauf que bah, ça fonctionnait pas, ça faisait un truc bizarre. Donc là, j'ai reprogrammé une Ataini en changeant le fuse, c'est ce qui est demandé. Et donc on va voir un petit peu si ça a changé quelque chose. Ok? Tu m'as carré quand on jouait. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Mais là, dernièrement, ils ont sorti une nouvelle map, ils ont fait une mise à jour, et maintenant, la nouvelle map, tu ne peux y jouer qu'en quatuor, alors qu'avant, tu pouvais jouer solo, duo, trio, et quatuor, et du coup, t'es en mode, bah, yes, les gars, n'hésitez pas à niquer votre jeu, hein, tout seul, c'est cool. Merci, merci, Uba. C'est toi qui l'as eu, toi. Et tu m'avais pas filé une aussi? Je n'ai pas deux? Je sais plus. Imhotep. Imhotep. Oui, build dessus. C'est beau, hein? Je sais pas qui a installé ça, mais waouh, il est beau et fort. Hein? Je dis pas ça parce que c'est moi. En ce moment, j'ai envie de changer de téléphone, mais au final, je me dis, je vais simplement, comment ça s'appelle? J'aimerais bien refaire un peu de Warzone, mais tellement, hein. Mais franchement, quand t'as des dispo, tu nous dis. Hein. Juste maintenant, c'est dispo qu'en quatuor. Ok. Je m'en vais détamer ma petite puce. Cette musique, elle est folle. Hein. Il n'y a pas à dire. We build this city. Pimp, pimp. Pourquoi j'ai un espèce de cafard qui vient de se promener là? De squelette de cafard. Ça y est, le chat devient fou et veut sortir et miaule à la mort. Parce que c'est terrible, tu comprends, il est enfermé dans un appartement de 60 mètres carrés. Pauvre bête. Tiens, en parlant de ça, les voisins du dessus nous ont raconté que leur chat, ils n'ont pas trouvé. N'ont pas trouvé. De quelqu'un pour le garder. Il allait rester 2 semaines dans leur appart, tout seul. Voilà. Parce que ça coûte trop cher, tu comprends, 10 euros par jour pour garder un chat. C'est trop cher. Du coup, ils ont dit, ah, mais on va mettre plein d'eau, plein de croquettes et tout. T'inquiète. Envie de tout casser. Ces gens irresponsables, c'est terrible. Je me demande comment son gosse, il a survécu jusque-là. Quoique. Ok. Vibrer les gens. Ouais. Matt a du boulot. Ah ouais, non, mais tellement. Du dessus qui fout le zbeul. Ouais. Eux-mêmes. Et soi-disant qu'aujourd'hui, ils allaient passer leur voiture au contrôle technique, ils partent en vacances demain.
Si leur voiture, elle passe au contrôle, c'est un miracle. C'est que toutes les voitures du monde, elles peuvent passer au contrôle. Ah bah le gosse, si j'y mets, ouais. Ah bah la part, tu vas être dans un état, oui, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pas le plus grave. Les voisins sont horribles, mais Ah le putain. chaton mérite pas sa cabri. Ah je sais. Prenez-le, visage triste. Ouais. Prenez-le. Ouais, mais non. Non, 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 je veux aucun lien avec ces gens-là parce que, en fait, après, ils vont en profiter. Ils vont se dire, ah bah. Non, 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 c'est pas possible. Non, non, on va pas le prendre, non. Mais je sais, hein. Je sais, hein. Je sais bien. La contre-visite pour voir. Bah, c'est ça, en fait, c'est le problème. Des gens charmants, on dirait. Ah oui, des gens super sympas. Vraiment des adorables. Et hier, ils ont fait tomber un seau. Parce que, genre, bon, bah, parce que c'est marrant de faire. Ils partent en vacances bientôt. Ils avaient de la visite. Et du coup, avant-hier soir, ils se sont dit, est-ce que ça serait pas une bonne idée de nettoyer le balcon de 22h à minuit, un truc comme ça? Ce serait pas une bonne idée, tu vois? En mode, let's go. Et du coup, ils ont fait du bordel comme pas possible. Ils ont pas arrêté. Ils ont fait tomber un seau chez nous. Ils ont fait tomber un seau chez nous, dans notre jardin, parce qu'on habite juste en dessous d'eux. Et ils ont dit à ma meuf, non mais vous pouvez le jeter, hein, le seau. Forcément, il est cassé. Ma meuf est trop gentille. Et elle a dit d'accord. Et la meuf, après, avant de partir, avant de se dire, oh, elle a dit, non mais franchement, tu penses que j'ai que ça à penser? Genre, ça me rend fou. Ça me rend, je les hais. Je les hais au plus haut point. Je les déteste. Genre vraiment la pire sourasse, quoi. Genre, ils ont rien, rien, rien. Et genre, oui, on n'avait pas le temps avant de faire le ménage. On a dû le faire là en urgence. Tu comprends, tout ça. Envie de les brûler, littéralement. Hein, vraiment très, 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 très énervant. Et ce que je comprends pas, c'est qu'ils nous demandent à nous de garder le chat alors qu'ils sont hyper potes avec des voisins. Mais je vous avais raconté une fois une histoire de là où j'habitais avant, donc dans cet immeuble-là. On connaît les voisins qui ont repris notre ancien appartement et qui se sont embrouillés avec les voisins du dessus, que les voisins du dessus les avaient menacés, avaient bloqué leur voiture à la sortie, en tournant autour de la voiture en mode on va te défoncer, machin. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et bah en gros, eux, donc ceux du dessus, sont potes avec ces gens-là. Ils gardent leurs enfants et tout, bonne ambiance, tu vois. Et du coup, je voulais en venir. Ça va où? Je vais regarder un peu l'installation du PSNI. Et du coup, on s'est dit pourquoi ils le gardent pas. Ils le font pas garder le chat à ces gens-là. Genre juste passer de temps en temps, remettre de l'eau propre et remettre bah, ce qu'il faut, quoi, s'occuper du chat, des croquettes et tout. Elle a dit on n'a pas confiance en lui. Ça me rend fou. Et en fait, ils essayent juste de faire culpabiliser ma meuf, parce que ma meuf, elle sait très bien. Enfin, la voisine sait très bien que ma meuf s'occupe très bien des chats. C'est très bien qu'elle était dans une asso et tout. Et donc forcément, bah, elle essaye de lui faire la faire culpabiliser en mode mais faut s'en occuper, tout ça quoi. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Alors qu'est-ce que j'avais fait là? Je m'étais pas trompé. Fil bleu, il va en bas. Il me rend fou. Bah, elle est plus forte que moi. Ici chez moi, la ville a un service pour dénoncer. Électro, c'est pareil. Je sais pas. Je sais pas du tout. Faudrait un permis de vivre. Oh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais oui, pauvre bête, quoi. Pauvre bête, carrément.
C'est terrible. Mais une fois de plus, je les supporte pas. Et je sais qu'ils arriveront, quoi qu'il arrive, à s'en sortir parce qu'ils ont un karma, frère. Il est énorme. Jusqu'à présent, ils roulent avec leur voiture. Ça fait plus de 6 mois qu'ils roulent avec leur voiture sans contrôle technique, sans assurance. La meuf a sûrement pas le permis parce que elle met zéro, zéro clignotant, rien et tout. On l'a déjà vu conduire. Elle grille les feux et tout. Et la meuf, genre, pas de problème, quoi. Genre, vraiment zéro souci. Donc, je me dis que des fois, il y a peut-être un truc, quoi. Je me dis qu'elle a une très bonne étoile. Je me dis qu'elle a une très très bonne étoile. Donc quoi qu'il arrive, ils arriveront à s'en sortir, ces gens-là. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Wesh. Qui a dit wesh? Qui a dit wesh le bonjour? Monsieur Papa. Et wesh le bonjour. Comment il va? Merci beaucoup pour ton 7e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Zoras comme les miens qui ont voulu me voler mon chat. Pardon? T'as un chat de race? Du coup, ils ont voulu te le voler? Il dure pas toute la vie. Ouais, bah ouais. Ça va se tourner contre. Bah ouais, je sais. Le chat, j'ai pas de doute sur le fait, vraiment, hein, un chat, ça survit, ça se laisse pas crever. Un chien, tu le laisses tout seul, il va crever, c'est sûr. Mais c'est pas une vie pour un chat. Hein. Je sais qu'il va survivre, le chat. Le chat qui est chez mes parents, qui est mon chat, on l'a perdu pendant plus d'une semaine. Et en fait, il était enfermé dans un grenier d'une maison. On l'a retrouvé, il était tout menu, tu vois. Il avait zéro manger, rien du tout. Voilà, c'est sûr, il va survivre, le chat. Mais c'est juste, c'est pas une vie, quoi. C'est juste chiant. Par ce quelqu'un, merci. Avec une ampoule de clignotant HS, t'as des t'as les flex qui t'attendent au coin de la rue. Ouais, mais c'est tellement ça, hein. Oliver, c'est tellement ça. C'est pour ça que ma voiture, j'essaie qu'elle soit irréprochable. Parce qu'en plus de ça, s'il y a un truc qui va pas sur ma caisse, elle est grillée à des kilomètres. Sinon, l'itinérance. Mon rouquin chez mes parents a disparu 2 semaines, il est revenu pomper l'op. Ouais, bah voilà. Tu sais qu'il pue le moisi, bah c'est ça. Un père a oublié de déposer son fils de 14 mois à la crèche. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, ça, on a vu ça, Karl. C'est terrible. Terrible. Non, gris aux yeux bleus. Bah voilà. Forcément, du coup, ça attire les gens. Enfin, quel genre de race t'es pour voler un chat, quoi. C'est terrible. C'est terrible, hein. Franchement, je pense qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte que qu'un chat, c'est pas juste. Enfin, pour un maître, c'est pas juste un animal. C'est plus que ça. Il y en a qui se rendent pas compte de ça. Le moins, il est là, on est bon. Le plus, il est là. Ensuite, lui, le bleu, il vient bien. Ah, attends. Ah, attends, j'ai inversé. Le bleu, il va tout en bas. C'est ça, hein? Ouais, le bleu va tout en bas. J'ai inversé. Le bleu, il va tout en bas. Et le jaune, qui part de là, il va juste au-dessus. Je soude un peu à la zob. C'est pour s'assurer que ça fonctionne bien. Voilà. C'est pas beau, hein. C'est pas très très beau. Salut Marie. Chez les pires, genre, il y a 10 ans, ça a commencé avec des travaux jusqu'à 2 h du matin, marteau burin. Maintenant, on se bat à coups de musique et de places de parking. J'en peux plus. C'est sourasse aussi. Vive la ville. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Oh, je te rassure, en campagne, on en a des beaux aussi, hein, mais ouais, quel enfer. Je compatis totalement. Je compatis totalement. Des filles qui se croisent, j'en ai la nausée. Oh, moi j'aime bien, moi c'est beau. Moi ça me plaît. Alors, le bleu, il va tout en bas. Le jaune, il va ici. Impeccable. Et data.
Il vient là et il va tout en bas ici. Très bien. Et après sur le côté, de toute façon, on a gate et ground. Ok, on est bon normalement, on va voir. Suspense. Mais je compatis totalement. Hein. Vraiment, les voix. En fait, tu peux rien faire. Ça qui est terrible, hein, c'est que tu peux juste rien faire. Les gens mal éduqués. J'ai un pote qui a déménagé, qui est parti dans le nord. Et quand il était ici à Maison Alfort, ses voisins d'à côté, donc lui il avait une Dacia, pas une Dacia, une DS, je sais plus laquelle, DS4 ou DS3, un truc comme ça. Belle voiture, tu vois, il aimait sa voiture et tout, il la payait cher et tout. Ses voisins d'à côté, en fait, on avait rien à foutre des voitures, ils mettaient des gros coups de portière. Bah, tu peux juste rien faire en fait. Tu peux juste rien faire, c'est des gens qui. Tu peux abîmer leur voiture, mais ils s'en foutent parce que eux, leur voiture, ça reste un objet, tu vois. Ça reste un objet. Donc ils s'en foutent. Globalement, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu leur brûles pas et qu'ils peuvent encore l'utiliser, si juste tu la rayes, ils s'en foutent. Tu peux mettre un mot, ils s'en foutent. Donc quoi qu'il arrive, ils s'en foutent. Bref, il n'y a rien de plus énervant, je crois, que ce genre de personne. Deathlike, bien sûr. Et je pense que j'ai de la chance, parce que pour l'instant, ma R11, on s'est jamais trop attaqué à elle. Mais se retrouver démuni face à des gens, tu peux vite devenir fou et faire des bêtises. Quand c'est vraiment. Tu mets une dashcam. Ouais, mais tu peux mettre une dashcam. Les flics, ils s'en foutent de ça, en fait. Ils s'en foutent. Bah, tant pis, quoi. Portière, elle est cassée. Enfin, ça t'a fait une trace sur la portière. Je sais même pas. Tu portes plainte, peut-être? Si tu trouves les flics qui vont te dissuader de porter plainte, tu sais pas. Coup de portière dans la gueule. Ouais, ben voilà, mais là, après, du coup, c'est toi. C'est toi qui vas aller en taule. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est que tu peux même pas être violent. Hein. La violence ne résout rien. Souvent, c'est bien l'inverse. Non, juste, tu crèves les pneus le matin, tu vois. Genre, tranquille. Je pense que c'est les bons bails, ça. Crever les pneus un petit peu. Ok, bon, bah maintenant, on va voir si ça fonctionne bien. Sur ces belles paroles de crever des pneus et tout. On va voir si ça fonctionne bien. Est-ce que mon installation fonctionne? Attention. Je lance. Donc là, c'est un jeu japonais. Voilà. Ah putain, ça va pas marcher. Donc c'est pas ça mon problème. C'est pas ça mon problème. Je sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai le seum. C'était pas le fuse. Le fuse visiblement ne change rien. On va essayer. Ah, le gobelet session. Attention, est-ce que ça va aller plus loin? S'il te plaît, fais plaisir à papa. Va un peu plus loin. Va-t'en. S'il te plaît, reste pas là. Putain, il est resté là. Mais non! Dis-moi plus. Montre. Ah, oh, putain! Oui, monsieur! Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà! Voilà! Comme ça, si t'as beau gonfler, ça se vide instant. Ah, c'est pas bête, ça. Pas bête. Et voilà. Donc là, il est japonais. Ça, c'est cool. La révélation au moment de l'abandon, c'est beau. Attendez, on va l'éteindre totalement. Je l'éteins totalement. J'arrête de faire tourner le lecteur. Je rallume. C'est pour les GG en tout cas, c'est gentil. C'est bizarre ce bug tout à l'heure, hein, du coup. C'est beau. Je suis content. Non mais ça fait vraiment plaisir de réussir à pucer, à faire soi-même ses puces, hein. C'est une économie, hein. Surtout que j'avais déjà tout commandé. Merci pour les GG en tout cas. Tu remets le bouchon ni vu ni connu, mais tellement. Ah, attendez, j'ai un numéro qui m'appelle. Et c'est peut-être. Ah, c'est une livraison. Fuck, j'arrive.
Désolé, je vous mets une pause qui va être un peu longue. C'est les croquettes des chats qui sont arrivées et il faut que j'aille chercher le diable qui est dans la voiture parce que je porte plus ces sacs de croquettes qui pèsent 12 tonnes. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je vous mets juste une pause de pub et j'arrive. Vraiment, j'arrive. Je fais au plus vite. Je suis désolé, hein. Vraiment. Dur, si t'es encore là, je crois que ça marche plus les pubs. Je crois que je peux les faire qu'une fois et après elles se mettent plus. Faut que je vois avec. Je t'envoie un message. Bref, j'arrive tout de suite. Je vous remets des pubs. Je suis désolé, vraiment, désolé. Mais c'est les chats. C'est comme ça. J'arrive tout de suite. À tout de suite, hein. Vraiment.
Et re... Désolé, 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 c'était pas prévu. C'était pas prévu. Et j'ai reçu une lettre RS en plus de ça. Ah bah c'est des condos. Je voulais autre chose. Je voulais mes fusibles. C'est pas mes fusibles. Tant pis. Fusibles, je pense qu'ils arriveront la semaine prochaine. Ok. Bon, les chats, on leur croupit. Invécable. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. Alors, on va faire le test quand même de tout. Je la rééteins. Je suis con, hein. Et si tout va bien? Eric, il est trouvable sur Internet, sinon tu le demandes sur le Discord, hein. On switch de source. Ok, c'est Wesley, comment tu vas? Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre jeu? Donc ça, c'est du Japanese. Et on va sortir les jeux officiels aussi. Enfin, non officiels. Et en plus de non officiels, on va sortir les jeux. Ah, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Plutôt que de me faire chier à trouver Driver 2, je vais me le graver. Parce que je vais grave galérer en fait à le trouver Driver 2, je sens, en NTSC. J'aimerais bien trouver Driver 2. Driver 1 et Driver 2 en NTSC, mais je suis pas sûr de les trouver. Monette. The Gamepad. Vais la carte mémoire. Par contre, il fait chaud, ça rince. Hein. Et du coup, la voisine est bien allée emmener sa voiture au contrôle technique, je pense. Et du coup, on est en NTSC. Quel plaisir! 52X, du coup, tu en as encore? Je crois que j'en ai quelques-uns qui traînent. Waouh! Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas Ridge Racer. La conduite, elle est trop arcade pour moi. Je comprends pas comment ça marche. Ça m'énerve. Ce jeu, il m'énerve. Ce jeu, il m'énerve. Ok. On va essayer Driver 2. Pâle, qui est en très mauvais état, va-t-elle réussir à le lancer? First try. J'ai la vraie bande d'arcade. C'est vrai, ça planeur? Et t'as même pas mis une photo sur le Discord? À plus, ça me... Ouais, va-t'en. Va-t'en, l'aune. Bon. Sur émulateur, je trouve. Ah ouais? Après, normalement, si tu t'y prends bien, émulateur, tu peux retranscrire un truc similaire à ce qui était à l'époque, mais t'auras jamais le normalement le rendu vraiment original de Ridge Racer, mais... De la PS1. Le mieux, au mieux que tu peux avoir, c'est un FPGA. FPGA, ouais. Ça saccade, hein, parce que c'est un jeu de merde. Il est vraiment éclaté, celui-ci. Hein. Et éclaté, c'est gentil de le dire. Fini sur la PS1, c'est beau. Bruno Bonnell. Reflection Interactive Games. C'est beau, on va y aller. Donc elle lance bien le jeu PAL. Et putain, on a ré... Ça y est, je sais, je peux pucer avec PSNI, mais c'est fou ça. D'ailleurs, l'Onomo, tu sais le lien que tu m'as envoyé là, avec le mec qui montre comment pucer tout ça, lui il dit qu'avec les Hataini, enfin visiblement, il l'a pas précisé, on va dire, mais il a dit que pour activer pour les PS1, il suffit de décommenter un truc pour aller Hataini 45 et A85. Mais sauf que quand tu le fais, le PSNI, le code PSNI te renvoie à la gueule une erreur. Je pense qu'il a juste pas spécifié le truc et qu'il se trompe un peu. Mais je sais pas ce que t'en penses. Normalement, pour les PS1, on est vraiment obligé de mettre un Arduino et j'ai un peu le seum pour ça.
Après, je me dis, je peux utiliser les puces que j'ai habituellement. Celle-ci. Ouais, ça, tu m'enverras un message. Ok, on fait ça. Ouais, je vais prendre une petite semaine normalement à Wesley. Et il y aura des petits jours en moins de stream. En modèle R11 dans les jeux de voiture. Et non. Et non. Ça n'existe pas là. En officiel, en tout cas, tu peux modder ton jeu pour avoir une R11 dedans. Mais en officiel, ça n'existe pas. Donc PSNI, qui est la façon la plus moderne de hacker une PS1. Tout simplement. Tout simplement. Tu peux pas la hacker plus. Enfin, c'est vraiment la façon la plus moderne de le faire. C'est ce qui est dans les derniers modes carte SD et tout, c'est ce qu'ils utilisent. Non, non, mais faut faire une demande, Eric. Tu vas sur le Discord, tu vas dans la catégorie Switch, et tu dis est-ce que vous auriez les schémas machin, et tu verras, il y aura des gens qui vont te répondre. On n'archive pas grand-chose sur le Discord, nous. Par contre, du coup, la dernière fois, j'ai fait la PS1 de Quack Quack et j'ai mis justement Driver 2 et Driver 1 NTSC. NTSC. Et bah, c'est vraiment plus fluide. Hein. C'est fou. Hein. C'est vraiment fou. Ah, attends, c'est quoi que t'avais dit l'autre mot? C'est Spyro 2, non? Ah oui, mais je l'ai pas engravé. Bah oui, non, mais je suis con. Il va se lancer, de toute façon, je l'ai en officiel. Spyro 2 qui galère. C'est une PSNI. PSNEE. PSNI. Et je pourrais voir avec JLCPCP pour me faire des petits PSCB, PSNI d'ailleurs. Et là, du coup, pour accélérer le temps de boot, j'ai commenté ce qu'il faut. Je détecte les puces, même en officiel, donc tu peux tester. Ah! Ah oui, donc t'achètes Spyro 2. Tu l'achètes. Mais tu le testes, tu veux y jouer sur une PS5 que tu as pucée, il te dit non. C'est fou ça. Attends, est-ce que je l'ai? Est-ce que c'est Spyro 2 que j'ai ou c'est un autre? Je sais que j'ai un Spyro là. Ah non, j'ai Spyro 1. J'ai Spyro 1, j'ai pas Spyro 2. Va falloir que je grave Spyro 2, Driver 1 et Driver 2. NTSC, bien sûr. Ok, donc ça en officiel ça marche. On va mettre un jeu gravé. Jeu gravé, on sait que c'est souvent plus dur. Les lentilles, elles ont toujours un peu plus de mal. Hein. Mais du coup, Karl, parlez-en sur le Discord, c'est mieux. C'est pas trop le sujet là. Regardez, l'état du CD qu'on vient de lire. Qu'elle vient de lire. Est-ce que je vais réussir à focus? Regardez-moi ça. Elle vient de lire ça. Hein. Absolument terrible. On se voit dehors. Et donc là, je relance Driver 2, qui rame pas, qui du coup n'a pas de soucis pour lire la cinématique. Puissant le dragonnet. Eh oui. Putain, mais je suis trop content. C'est la première fois que j'y arrive bien. À PSNI, la première fois que je l'avais fait, j'avais pas réussi. Et là, genre, ça marche, quoi. Je suis trop content. Je crois que je vais m'en faire plein. Je crois que je vais m'en faire plein des PSNI. Comme ça, comme je suis lancé en ce moment, je vais en faire quelques-unes. Comme ça, je sais qu'elles seront programmées. Par contre, je vais peut-être les laisser en automatique pour 3 zones. Au pire, le temps de boot sera long. Mais au moins, je sais que si j'ai une PSNI. Ouais, c'est les puces que je programme moi avec un Arduino. Ben non, là, ça galère un petit peu quand même. Hop. Héros menace.
Je montrerai aussi l'état de ce CD-là, hein, dans le doute. Tu utilises j'ai un Atiny 45. Mais j'ai vu que tu pouvais faire avec des autres choses, des HTML 138 ou 328 ou je sais plus. Ça, j'ai pas trop compris ce que c'était, ces trucs-là. J'ai pas trop compris. Et je sais que pour les PS1, il faut utiliser des Arduino Nano. Sinon, ça marche pas. Et même encore, les Arduino Nano, c'est pas trop censé marcher, de ce que j'ai cru comprendre. Et donc là, on joue sur un CD gravé. Ça marche particulièrement bien. Et ben voilà. Si je dis pas de bêtises, normalement maintenant tu peux. Non, ah non, je sais plus. Je sais plus comment ça marchait pour les jeux gravés. Il n'y avait pas un nouveau hack ou je sais plus. Et laisse-moi tranquille. Et laisse-moi tranquille. Et tranquille. Un peu de mal, la police. Et bon, ça marche bien. Je suis trop content. J'ai réussi. Mais ouais, parce que du coup, j'aimerais bien trouver Driver 1 et Driver 2 en NTSC, mais je pense que ça va être introuvable. Ça va être trop dur à trouver. Parce que j'aimerais bien les trouver en US. Ah oui, d'accord. Et je pense que pour trouver un jeu US en France, c'est plus dur que de trouver un jeu japonais. J'ai l'impression. Pour trouver des jeux US, tu vois, c'est compliqué. Je vais aller faire un tour de combi. Les freine pas. C'est un vrai combi, hein. Oui, ça va aller, Lyon. Vraiment, en plus, il a un bruit bien à lui. Allez. Mais non. Ah putain, j'ai eu peur. Impeccable. Bon, petite course-poursuite avec les flics en combi, ça passe. Aïe. Ça va pas passer longtemps, je pense. Mais laisse-moi tranquille. Quoi qu'il marche, hein, le combi, hein. Oh le bâtard! Ça triche, ils sont deux. Pas cool. C'est fou quand même, hein. Ce qui devait demander ce jeu à la PS1, c'est terrible, hein. Vraiment, ils sont un peu cons, voilà. Aïe. Oh non! Bah lui, il est bientôt mort. Voilà. Et là, tu gagnes. Voilà. Ok. Je trouvais sur eBay, mais 40 euros mon. Ah ouais, non, mais c'est bien trop cher. Une fois, là, c'est bien trop cher. C'est pour ça. Donc, je pense que je vais le faire. Planification de déménagement. Et ben là, on a réussi ou on n'a pas réussi? On s'est pas pucé PS1, nous? Alors. Trop facile le jeu. Trop facile de pucer la PS. On programme nous-mêmes nos puces. Une puce made in Cabri, attention. Je suis refait. Je suis vraiment refait. Et merci. Et du coup, c'est grâce à ton tuto. On est d'accord que je peux. Normalement, les Atiny 45, on peut les reprogrammer là.
Celui-ci, je le jette pas. Hein. Ça se jette pas, ça. Oh, cette musique. Ça m'a juste pris 2 ans et demi. Ça ouais, en plus, t'as pas tort. C'est ça qui est assez terrible, c'est que t'as pas tort dans ce que tu racontes. Ah ouais, si ça l'a fait chauffer, hein. Je pense Driver 1, ça l'a fait chauffer, hein. Driver 1, Driver 2, ça fait chauffax un max. Ah, j'avais dit en plus, bon, vous savez quoi, on la remonte, on refait vite fait les soudures. J'avais dit, j'avais annoncé, je sais plus sur quelle chaîne, et j'avais dit que j'avais trouvé que c'était une très bonne idée. C'est de, à chaque fois que je teste une PS1, de le... Comment ça s'appelle? De faire le parking de driver. Sinon, ça veut dire que la réparation, elle n'est pas validée. Ça va le focus? Ah, merci. Sauf s'il est briqué. Oui, tu peux le garder et reprogrammer. Ah, ok, bah c'est bon alors, normalement. Juste, il est programmé, mais il n'a pas le fuse. Mais d'ailleurs, je n'ai pas compris c'est quoi cette histoire de fuse sur les Atiny. Hein. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Je vais simplement refaire des belles soudures. S'il n'y a pas de raison que ça bouge. Sont actuellement au fond du jardin. Bah super! Alors, bravo, hein. Les motos sont plus là quoi. Ça marche. C'est barré. Bah oui. Creuse un trou. Pas trop profond, hein. Faut en ressortir hein, après. Hein. Quand il y a quelqu'un à ban, par exemple. Comment je fais moi? J'ai plus de modo. J'espère chez vous aussi que vous ambiancez. Hein. Là, on est sur du doux son des familles qui régale. Hein. Bon, une PS1 sous PSNi, c'est quoi? C'est 6 000 $, non? Ah putain, je sais plus. Ah, mais si, hey, vous avez vu le prix? Le prix que pratique The Perfect Amount of Thermal Paste. Vous avez vu ou pas les prix qu'il pratique, lui, ou pas? Vous avez vu? Vous êtes allé sur son eBay ou pas? Parce que c'est indécent un petit peu, hein. C'est indécent. Configuration hardware de microcontrôleur, c'est son BIOS. Son... Ah, d'accord. Je n'ai petit peu moi. J'étais en train de jouer à la boxe. Et du coup, c'est assez terrible, hein. Il a mis son eBay en description de ses vidéos YouTube et j'ai été y faire un tour. Et tu te dis que YouTube, ça doit pas payer assez pour pratiquer des prix pareils, quoi. Il y avait une PS4 Pro blanche, un peu claquée au sol. Vraiment, le... Je sais plus combien elle vendait, c'était 300 ou 400, un truc comme ça. En loose, hein. Il n'y avait pas marqué qu'il y avait de manette ou quoi. Tu te dis, ah ouais, bien. Hein. Franchement, bien. Hein. C'est pas mal, YouTube. Je vais regarder, faut que je regarde, je vais pas vous dire de bêtises. C'est Tronix Fix, hein. Tronix Fix. J'aime beaucoup hein, son contenu, attention. Hein. Je kiffe ce qu'il fait et c'est, je m'inspire à 2000% de ce qu'il fait pour faire mes vidéos YouTube. Est-ce qu'elle y est encore? Ouais, elle y est encore. Ah, mais attends, elle a baissé de prix. En vrai, elle a baissé de prix. 280 $. Attends, la baissée de prix, elle était plus chère que ça. Elle était plus chère que ça. Donc, PS3 Pro. Un peu dégueu. Hein. Un peu dégueu, on va pas se mentir. Voilà. Pas ouf. Il manque le cache. Disque dur. Voilà. Vraiment pas ouf, esthétiquement. Enfin, pour une blanche, en tout cas. Bon, visiblement, tout a été testé. Il y a pas mal de traces. Au moins, il met des photos, il montre tout. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Mais je trouve, c'est cher. C'est assume all responsibility for this listing. Dirt spot and stains. On top and bottom. There is no hard driver. Drive cover. Console only, no cable. Controller. Or games. Je trouve ça cher, non? C'est cher, non? Qu'il a ma sponsor et Patreon. Ah ouais? Il a beaucoup de Patreon.
C'est du vol. Bah, je trouve ça beaucoup trop cher. Je trouve ça beaucoup trop cher. Des prix étaient et Qatar. Ouais, non, mais j'ai l'impression que souvent il se fait plaisir. J'ai vu qu'il se fait un petit peu plaisir. Il a Patreon? Attends, je savais pas qu'il avait Patreon. Parce que je regarde aussi les Patreons, j'ai envie de. J'hésite à m'en faire un de Patreon. Et j'aime bien regarder ceux des gens. T'es sûr, il y a un Patreon? Y a pas de Patreon, le monsieur là. Il a un website. Non, il n'a pas l'air d'avoir de Patreon. Louis 40. Ah ouais? J'ai l'impression que les Patreons, les gens les mettent pas assez en avant. Quand ils. Quand ils mettent. Quand ils font des Patreons, les gens les mettent pas assez en avant. Le sub, c'est pas mal. Ah oui, bah oui, ça fait 400. Ordinateur console, borne d'arcade années 80 qui ne m'a presque rien coûté car récupération, don, vide-grenier, etc. Personne n'en voulait et attends, c'est pas la même. Bah ouais, bah c'est bien. Parce que moi, ça te permet de te dire, j'ai quand même un pécule, j'ai quand même un. Bah, c'est un peu comme avoir des sous de côté, quoi. C'est cool. Merci en fin de vidéo. Ah ouais, bah c'est bizarre, il met pas le lien. Sinon, il a pas envie d'être patronné. J'avoue que si demain j'ai un Patreon, je force à mort. D'ailleurs, en tant que forceur, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai rajouté une commande pour pas une commande, mais un bot, un robot qui passe et qui dit hey, abonne-toi. Si tu veux me soutenir, abonne-toi ou fais un don. J'ai rajouté ça. J'ai rajouté ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Ok, bonne petite soudure. Ça aussi. Ouais, c'est pas si mal. C'est Tronix Fix sur YouTube. Et de refaire un petit peu les soudures pour qu'elles soient plutôt jolies et moins poreuses surtout. J'aimerais bien pour avoir quelque chose de solide. Je m'en doutais de ça. Ça me plaît déjà plus. Ça me plaît déjà plus. C'est jamais parfait. Je vais pas aller plus loin. Je sais que là, mes soudures, elles sont solides. Je pourrais aller plus loin, recouper les fils, tout ça, tout ça. Mais ça me plaît. Ça me plaît, tant que ça me plaît, je me prends pas trop la tête. Hop. Petit coup de propre, toi-même, tu sais. Salut! Ok, c'est pas mal. J'aime bien. Mais ouais, du coup, quand j'ai vu les prix pratiqués, je me dis, tu vois, c'est dommage, ça pourrait être l'inverse. Tu vois, quand tu te dis. Enfin, moi, par exemple, les prix que je pratique, j'essaye de faire en sorte de les mettre un peu moins cher et tout. Et je pense que en vrai, je pense que lui, il a tout compris. Hein. S'il sait que, ah, bah là, du coup, 280 dollars, ça part.
Bah pourquoi donnez-moi? Pourquoi proposez-moi? D'un côté, il a raison, hein. Faut vivre aussi, hein. Tant pis, hein. Au vivre. Mais bon, après chacun sa mentalité, quoi. Chacun sa mentalité. SFR, on pas le même marché. Tout à fait. Je trouve que c'est un très bon prix. Après, elle est là depuis facile une semaine. Il y a moyen quand même. Il y a moyen quand même qu'elle soit un peu trop chère. Ah, c'est sûr que ici, non, ça part pas, non. Après, c'est sûr, il a une renommée et tout, hein. Il a une renommée, on sait qu'il a le Perfect Amount of Thermal Paste, forcément. Forcément, hein. Et il joue, hein. Hop. Et bon, on va la refermer. Tac, soudure, j'en avais besoin que tout à l'heure, donc je l'éteins. On va changer d'objectif. Et on va la remonter au grand complet. Pour le pépoué, pépoué, pépoué. Il en met plus assez. Bah ouais. Je sais pas. Enfin, je t'avoue que maintenant, comme j'étale, j'avoue que. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est devenu une blague, en fait. Le Perfect Amount of Thermal Paste, et qu'il s'en fout. Il s'en fout un peu. Après, visiblement, ça a l'air de marcher. Hein. Beaucoup. Parce que la renommée gagne. Renommée gagne. Et bon, la vie pour remplir. J'ai fait en vrai, en vrai, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des modos pareils? Au début, ils étaient normaux, hein. En vrai, ça allait au début, tu vois, classique et tout. Et là, d'un coup, ils viennent fous, ils viennent fous, ils font des blagues cheloues là. Après, je l'aime bien quand même, je l'aime bien, elle est un peu tirée par les cheveux celle-ci. En vrai, je l'aime bien. En vrai, elle est pas si bien. Qu'après des montages, on se soit rendu compte que le DE est parti et une partie sans. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que maintenant j'étale. Je prends plus le risque parce qu'après je j'endors plus la nuit, je me réveille en plein cauchemar et tout, en mode t'as mal remis, t'as pas mis assez de pâte thermique, tout ça, tout ça. C'est vrai. Le chimique là aussi. Bah voilà, c'est ça. C'est ça. Un petit fiac. Le fiac. Le petit fiac de pâte thermique, bien entendu. Du coup, j'imagine un petit tube de pâte thermique avec un petit fiac. Ça pourrait être marrant, ça. Donc là, on remet uniquement. Moi, je remets même pour l'objectif, hein. Sans balèque, hein. Fiac transit. Fiac Transit, tu confonds avec Ford Transit. Tu aurais pu dire le Fiac Multipla peut-être. Là, ça aurait été cocasse. Là, ça aurait été cocasse. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Peux pas tout réussir tout le temps. Arf. Arf, tant pis. Non mais tant pis, c'est pas grave, je t'en veux pas. C'était l'intention qui compte. C'est Fiat Ducato chez Fiac. Eh oui. On revise tout. Je crois que je vais devoir me réimprimer un petit port ici. Suis content parce que du coup là on a une PS1 qui fonctionne bien. Je vais voir si je la vends complète celle-ci. Mais pareil là, les PS1 c'est chiant. Hein. Franchement, les PS1.
Ça coûte rien du tout, hein. Ça coûte rien. C'est chiant de ouf, hein. C'est chiant de ouf, hein. En fait, là, tu te rends compte qu'il y a des consoles maintenant. Tu sais que tu vas t'en occuper et que ça va pas valoir le coup. C'est relou de ouf. Les montres fiac, bien sûr. Oh, ma voix, c'est terrible. Ça marche bien, elle dit rien. Qu'elle ne va pas plus. Après, j'ai envie de dire, tant mieux pour les gens qui en veulent une, mais pas tant mieux pour les gens qui veulent se lancer dans le bricolage et tout, quoi. Parce qu'en gros, en vrai, une PS1, faut pas la payer plus de 5 euros si elle est genre non testée, HS ou quoi. Pas plus de 5 euros. Sûr et certain. Parce que sinon, après, c'est bien trop. T'arriveras pas à t'y retrouver. Si c'est pour la revendre derrière, c'est juste pour la réparer, te faire la main dessus et tout. Ok. Mais 5 euros, pas plus. Vraiment. De toute façon, que ce soit PS1 ou PS2, c'est 5 euros, pas plus. Parce que là, par exemple, tu vois, pucée comme ça, on va dire que je la revends quoi? Combien ça se revendrait une PSNi, là? Avec un Tiny 45 dedans. Fonctionnel. C'est quoi? Ça va être dans les. Ça va être dans les 45, 50, c'est une arc. Grand max. Que ça marche bien. Monde de fou sur les PS1 PS. Ah bon? C'est vrai ça? J'ai pas vu ça moi. 5 euros une PS1 HS. Ah oui, moi je mettrais pas plus, hein, en tout cas. Moins de... Ah oui, bah, largement moins de 100, hein, franchement. Hein. C'est pas la puce qui compte, mais le temps de pause. Une puce PS1, c'est genre 15-20 balles. Ils veulent rajouter max. Bah, c'est ça. C'est pour ça, ça vaut pas grand-chose. Hein. Malheureusement. On va lui faire son petit entretien classique. Je vois 80-90 en brocante. Ouais, non, mais en brocante, non. La Niark, je pense que tu te lèves trop tard. Je pense que tu vas trop tard en brocante. 80-90, faut qu'elle soit testée, refaite, pucée et tout. Ouais, en boîte, peut-être, à la limite. En boîte, à la limite, pourquoi pas? À ce prix-là. Mais wow, 80-80. Ah ouais, franchement, moi, j'achète pas à 80-90 en brocante. Hein. C'est chaud, hein. Franchement, 80-90 en brocante. Faut avoir confiance, hein. Moi, c'est simple. La PS2, quand je la refais, donc refaite, 100% fonctionnelle, testée et tout, avec une puce, manette et câble, je suis aux alentours des 90-100. Mais console vérifiée, testée et tout, quoi. Et pucer. Le puçage de la PS2, il est plus intéressant. La première. Alors, la Xbox première génération, c'est un peu différent, j'ai l'impression. Comme elle est moins aimée, bah t'as de tout. Faut tomber sur les bons vendeurs, on va dire. Faut tomber sur les bons vendeurs. Time after time. Parce que la Xbox première génération. Bon, déjà, elle est mieux. C'est trop bien, la première génération. Et une Xbox première gen, c'est. Comment je les vends, moi? Moi, je les vends jailbreak aussi. J'en ai plein à faire, d'ailleurs. Trop de trucs à faire. Trop de consoles à refaire. Faut que j'arrête de traîner sur les sites internet d'achat et de revente. Marche bien. Plus en plus souvent, j'ai fait 3-4 brocantes et j'en ai pas trouvé à moins de 50 euros sans boîte. Ah ouais, c'est chaud. Je serais pucé avec boîte et tout. Ah oh, bah elle a bien joué. Hein. La cristal en boîte, ça c'est bien joué de ta part. Hein. Et la chance, j'ai envie de dire, parce que j'aime trop.
Les manettes, le problème sur la Xbox. Putain, mais quelle chance d'avoir la cristal en boîte. J'ai ma cristal en loose là. Bon, c'est déjà bien, hein, je suis content d'avoir une cristal. Hein. Enlever les petites traces qui traînent à gauche à droite. Bon, pour le coup, celle-ci, c'est cool, elle est en bon état en vrai. Majon, ils se sont passé le mot, peut-être. T'es dans quel coin? Si tu me dis c'est sur Paris, j'ai envie de te dire logique. À plus, Karl. Ah, bah, la cristal sur la Xbox première génération, c'est pépite, hein, tout simplement. C'est la plus belle, hein. Je suis à la campagne. Ah ouais. Ah, c'est étonnant. Après, le problème, une fois de plus, hein, c'est suivant sur qui tu tombes. T'as peut-être pas eu de chance. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait de brocante. Les peu de brocantes que j'ai fait dernièrement, genre, il y avait vraiment des gens. C'était en région parisienne. C'est des gens qui vendaient. Bah, soit trop cher parce qu'ils ont vu que Micheline sur Vinted, elle a décidé de vendre sa PS1 dans un état mint, en boîte et tout, de la revendre 80 euros. Et du coup, derrière. Gérard, il se dit ah putain, mais moi aussi j'ai une PS1 claquée au sol, et il va la revendre le même prix, tu vois. C'est-à-dire, si la sienne elle vaut ce prix-là, moi aussi elle vaut ce prix-là. C'est un peu le souci, hein. Les gens sont pas très fut-fut. Slim noir avec Kinect. Une Xbox Slim. Ah bon? Combien de boîtes avec la manette facile? Ça serait 200. Ah bah oui, hein. Facile, hein. Tiens, d'ailleurs, sur Yanaba, il y en a une à 1000 euros. Une Xbox première génération, noire, avec la boîte, 1000 euros. Voilà. Il y a peut-être moyen qu'elle ait jamais été ouverte. On va faire le bouton d'éjection aussi. Deuxième main, et il n'y a pas. Je check sur deuxième main. C'est quoi sa deuxième main? Mio, ouais. J'ai envie de dire. C'est tout aussi nul. Tu as les gens qui vendent trop cher, mais aussi carrément les pros qui te vendent. Ah oui, non, mais. Alors, ça dépend. En fait, t'as deux types de pros, je trouve. T'as le pro qui vend vraiment trop cher. Et t'as le pro qui vend au prix. Tu vois? T'as vraiment les deux, quoi. En boîte, la moins chère vendue sur eBay est à 250, vente réussie. Ah la vache. Ça m'étonne pas, hein. Crystal, qui du coup est une collector, édition limitée. Mais en plus de ça. En boîte et tout, franchement, top. Hein. Puis c'est par un pote proprement avec un système de télécommande qui a jamais tourné. Filer un pote. Ah ouais, système de télécommande, putain, je connaissais pas ça. Cette musique. Soudain envie de danser. Une Mattel, une télévision en boîte avec deux jeux pour 110 euros. Putain, mais ça, j'aimerais bien avoir une télévision. J'ai des jeux de une télévision, mais c'est tout. Le prix informé. Ah, t'es en Belgique! Ah, je sais pas. Du coup, si. Tu vas partout dans ces zones à ce prix. Ok. Je sais pas que t'étais en Belgique. Je sais pas si les prix varient beaucoup avec un pays frontalier aussi proche.
Mais tout le monde trouvera des meilleurs prix. Ah ouais, carrément, ouais. Vinted, Le Bon Coin, c'était de la chance. Et Eneba, bien sûr, le partenaire de la chaîne. Bien sûr, on ne l'oublie pas. Le sang, Eneba. Le sang. Mais ouais, hein, franchement, là, pour les bons plans. Hein. T'as Le Bon Coin, mais pff, Le Bon Coin, je te jure, je suis tellement dégoûté là. De tout ce que j'essaye d'acheter là-dessus, que ça me saoule. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est sûr, le rétro gaming a flambé. Content de m'être fait un sacré stock. Hein. Oh, mais j'ai vu là dernièrement la Twin Famicom. C'est deuxième main ici en Belgique. Ah, d'accord. Je savais pas. La Twin Famicom, elle coûte un rein et demi là. Moi, je l'ai payé 50 balles la mienne, HS. On l'a presque fini de la refaire marcher. Il reste encore la courroie à réussir de régler pour le lecteur. Et une Twin Famicom sans boîte fonctionnelle, ça coûte genre dans les 150-200 balles quoi. C'est un truc de ouf. Un truc de gueudin. À Paris, une à 20 euros, les autres souvent dans les 50. Ah ouais? C'est important de tester les boutons avant de remonter. Sinon, après, on est dégoûté. Apparemment, ça a augmenté. Putain, mais c'est fou ça. Je vais aller voir ça. Je suis curieux. Je les vends 1000 euros du coup. C'est ça. Maintenant, mes PS2, je vais les vendre 1000 euros. Ça, on va pouvoir le semi-couper. PS1, tu trouves encore à des prix décents. Oui. PS1, je pense que ça va être compliqué, hein, de la faire grimper. Ok. PC. Puce. PS. Ça c'est un P, c'est pas un S. P. S. N. E. Voilà. Avec. Ça prend la valeur comme le vin. Ouais. L'acquisition, c'est une interface d'Interterre 800XL complet avec lecteur cassette et disquette de tablette tactile et imprimante. Oh le. J'ai vu une Atari 600XL là à 100 balles HS. J'ai été tenté parce que ça coûte super cher une Atari 600. Mais en même temps, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de lâcher 100 balles dans ce genre de choses? Finalement, je me suis dit non. Je me suis dit non, on va essayer d'économiser. J'ai plein de choses à réparer moi de mon côté. J'ai d'autres choses qui arrivent. Donc. Que je trouve le plus facilement. Ah ouais, non mais clairement, hein, la PS2, ça s'est tellement vendu. Forcément. J'ai reçu mon Zelda Minish Cap de chez AliExpress. Je vais chercher la GBSP pour tester ça. Oh lui. Tu nous diras. Je suis curieux de voir l'intérieur, Clotilde. Je regarde le prix. Ah, les Vectrex sont grave augmentés. Fut un temps, je les trouvais à 100 balles. Là, c'est mort. C'est mort de ouf. 80 balles avec plein de disquettes et lecteurs de disquettes. Oh, stylé. Pas en dessous de 500. Oh non, non, mais les Vectrex, c'est devenu intouchable. C'est devenu intouchable, le Vectrex. Je suis dégoûté. À l'époque, j'en avais laissé à environ 100 euros. J'en avais laissé passer. Mais là, je suis dégoûté. Sans tour à côté. Ça. Qu'est-ce que j'aime quand c'est agréable à utiliser. Par contre, c'est un peu chiant, c'est que j'ai deux traces noires, une là et une là. J'aurais bien aimé essayer de les enlever. Reboule. C'est tout le temps un enfer à enlever ces traces-là. Jamais ça part. Et souvent on lose. Ouais. Ah oui.
Je connais, je sais que vous allez me dire, ah, essayez avec une gomme. Ah, m'a répondu, je t'ai devancé. Vas devoir réparer des vieux GPU. Ah ouais? Ça vaut quelque chose de réparer des GPU? Des vieux GPU? On a fini RX 580, c'était stylé. Gomme magique. Ouais, mais gomme magique, je crois que tu perds un peu la texture. Hein. Bon, c'est pas grave, elle sera dans son jus. Tant pis. Dans son jus, mais propre. Et ça, c'est tout. Qu'est-ce qui compte? Eh bien, je suis content d'avoir refait cette petite machine. Eh ben, je crois bien que je vais me programmer des PS Nîmes. Là, le prix des 3DFX. Oh la vache. Ah, mais attends, c'est qui me disait ça? Je crois que c'était la dernière fois quand j'étais chez MO5. On parlait de ça justement. Des cartes graphiques d'époque que les prix avaient grave augmenté. Et justement que. Ça, je trouve ça fou par contre que ça augmente ces trucs-là. Parce que vraiment, j'arrive pas à comprendre l'utilité. Hein. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas connu cette époque des Voodoo, des 3DFX, des machins là. Je pense que c'est vraiment parce que j'ai pas connu. Avec la gueule. Ah mais par contre les cartes les boîtes de cartes graphiques à l'époque, ça c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir. Les boîtes de cartes graphiques à l'époque, t'avais vraiment un visuel 3D, tu sens qu'ils avaient fait tourner le PC pendant 6 semaines et demie pour essayer de le générer. Et vraiment. C'était vraiment stylé. Ah, c'est pas au point là-dessus. Ah. Je suis étonné, tu vois, je pensais que ça allait bien marcher l'émulation sur ces trucs-là. Mais trop envie de me faire enfin Zelda. Ah bah c'est cool. Ah, tu vas kiffer. Tu vas tout simplement kiffer. Alors, retestouillons. Tac. Tac. Maintenant qu'elle est remontée. Qu'elle est pucée, nettoyée. Retestons un dernier coup. On l'a dit, hein, la PS1 c'est 100 balles. Hein. Donc elle sera en vente à 100 balles bientôt. Ça va. Sinon, je fais comme trop Minute Fix et je la vends au très très cher. Je vais faire ça. Je sais pas si cette VOD ira sur YouTube. Hein. Je vais voir, mais je pense que les VOD d'aujourd'hui, elles vont pas aller sur YouTube, elles sont trop petites. Petercell, c'est l'exemple le plus concret. Qui nécessite un hardware spécifique. Ah, ouais. Je regarderai ça. Il y a un jeu dedans? Bah non. Bon. On va remettre Driver 2. Ah non, faut que je mette Driver 1. Ah, mais Driver 1, il est là. Non. Tu es le remettre, faut vendre cher. Bah oui. Bon, on va mettre Driver 2 gravé. Driver 2 gravé. Celle-ci, elle a PS Ni. Oh. Je vais reset. Fait un drôle de bruit. Comme de par hasard, tu remontes tout. Et vous la T-Pack, ça veut plus marcher. Elle fait vraiment un drôle de bruit. Mais si elle le lance quand même.
D'accord. C'est chelou. Peut-être que j'ai laissé une poussière sur le lecteur, j'en sais rien. Par la lentille. Pourtant, elle est pas moche. J'ai un petit walp là. Ah, c'était peut-être lui. Alors, on va mettre un petit coup sur la latilo. Oh, j'ai plus mon compresseur. J'utilise pas assez. J'utilise pas assez mon compresseur. J'ai plus des. Ouais, je savais pas qu'il y avait un monde. Parce qu'encore les micro-ordinateurs, genre Atari 1040, etc. Je comprends. Mais genre les tours. Genre, je piche pas trop. Ça y est, le gamin pleure, comme d'hab. J'éteins. Salut. Pour BioShock, Mass Effect et The Witcher, je me suis pris la carte. Ah bon? Bah alors, ça tourne encore? Je comprends vraiment pas ce qu'elle me fait là. Je vais remettre un jeu très propre. Là, du coup, elle s'est arrêtée de tourner. Je veux bien qu'il soit usé, mais il y a 2 secondes, elle le faisait tourner nickel. Je reset. C'est Gourou. Comment tu vas? Gourou Hartwood. Elle va le lancer. Allez. Vas-y. Avance. Eh ben dis donc. C'est les soudures que j'ai refait, ça lui plaît pas ou quoi? Putain. Le lecteur, il a décidé d'arrêter de vivre soudainement. Putain, mais je suis deg. Deck de fou, ce mal du siècle, non, mais c'est terrible. Hein. La machine au magasin, ah, mais j'avoue, faudrait que je fasse ça. Deuxième envoi, mais non, trop bien de douane, mais il a mis encore 4 dedans, donc ça va. Bon, ça va, c'est cool ça. Bah, bien joué, du coup, Botox, t'as du stock. Donc là, si j'ouvre et que je referme. Pas sur la tranche. Non, c'est pas sur la tranche, hein. Normalement, c'est à l'envers. On essaye les deux pour voir. Mais je suis deg, c'est que tout à l'heure vous avez vu à quel point elle les a bien lancés les jeux. C'est ça qui me rend fou. C'est que les jeux, elle les a très bien lancés. Et là, du coup, elle s'est dit, oh. Oh, frelou. Et là, elle le lance. Envie de tout casser. Donc maintenant, c'est la lentille qu'il faut que je remplace. Je vais passer l'impression 3D pour mettre la. Mais non, non, j'ai pas. Ah putain, si ça me dit quelque chose. J'avais pas pensé à ça. J'avais vraiment pas pensé que c'était pour ça. Après, c'est stylé, hein, la verticale. Ça a son swag. Hein. Peut contrôler la vitesse du lecteur. Je sais pas. Il y a des potards dedans.
Maintenant, c'est pour contrôler ça, je sais pas. Déjà, elle fait plus les mêmes bruits. Donc j'ai ma lentille maintenant qui fait yesh. J'ai le seum. J'ai le seum, ça va encore me coûter une thune. Ça coûte cher hein, les lentilles à force. Sont les PS1 comme ça, ça peut être que ça. Hein. C'est tout le temps ça sur les PS1. Oh bah c'est l'usure. Et sur les lentilles de PS1, ça chauffe. Et en fait, le plastique se déforme. Et du coup, la lentille est moins proche du disque. Donc elle n'arrive pas à voir le disque. Elle arrive moins bien à lire. Elle voit flou. Faut lui mettre des lunettes. Et donc, t'es obligé de remplacer. C'est pour ça que quand tu la mets sur le côté, tu viens replaquer un petit peu la lentille contre le disque. Et quand tu la mets à l'envers, pareil. Ça vient encore plus plaquer contre le disque. Donc forcément, ça marche bien. Bon, bah au moins, je sais qu'elle fonctionne et il va falloir que je regarde pour la lentille. Je sais pas si du coup, il faut que je tente. Je sais pas s'il faut que je tente un remplacement. Un de deux, quitte à mettre un PSIO pour regarder le lecteur de jeu sur CD. Ouais, je sais, il y a ce truc-là. Ouais. Mais PSIO, ça fait ressortir un truc sur le côté assez dégueulasse. Je suis pas fan du PSIO. Bon, bah au moins ça marche. Ça marche quand même un peu. N'empêche, ce que j'aime bien en Driver, c'est que les voitures qu'ils ont choisi de représenter, c'est quand même une époque. Assez old school par rapport à ce qui se faisait à l'époque où ce jeu est sorti. Ah bah oui. J'avoue, si je la signe, je peux la vendre plus cher, non? Mais moi, ce qui me plaît le plus hein, vraiment dans ce jeu, c'est vraiment la physique. Vraiment la physique des caisses et tout, elle est vraiment insane. Il hein. n'y a pas à dire, ils ont fait un travail de fou là-dessus. Hein. Maniabilité des véhicules et tout, c'est trop agréable à conduire. Hein. Genre les suspensions et tout. Il y a vraiment un taf. Par contre, les flics sont un peu énervés. Un peu. Les barrages de flics qui pop n'importe quand. Aïe. C'est vraiment l'époque Bullitt et tout. Hein. Les courses-poursuites comme ça, les barrages de police. Les flics qui font de la merde. La console, elle donne tout ce qu'elle a. Hein. La console, elle donne vraiment tout ce qu'elle a hein, avec ce jeu.
Les flics sont un peu cons, je trouve aussi dans ce jeu. Oh le bâtard, il est devant. Ok. Avec les mêmes bruitages que le film. Ah oui. Fait du film Driver. Ouais. Mais bref. Pas con de rendre les bagnoles angulaires, ouais. Ah, j'avoue, c'est peut-être pour ça en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça. Pour avoir les voitures bien carrées et plus simples à modéliser et moins gourmandes pour la console. Ok. On va regarder juste vite fait le prix d'une lentille de PS1. Je sais même plus c'est laquelle sur celle-ci. Lentille PS1. La plantille PS1, c'est le meilleur moyen de trouver les plus chers. Peut-être pas AliExpress, j'ai pas envie d'attendre 1000 ans. Quoique je... Pff, je sais pas. Peut-être aller voir chez Cheap and Mode. Ils vendent tout le lecteur complet, mais moi ça m'intéresse pas, je veux juste la lentille. Il va falloir d'abord que je regarde à gauche, à droite, toutes les PS1 que j'ai. Toutes les PS1 que j'ai. Comment il va le speed GT? Commander en gros, bah c'est ça. Parce que là, si j'en ai plusieurs à commander. Rétro gaming. Sony. Tac, 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 tac. Accessoires, pièces détachées. Rétro gaming. Est-ce qu'il fait les lentilles? Le bon Cheap and Mods. En fait, ils vendent que le bloc optique complet. C'est bloc optique complet ou rien. Tu peux pas juste prendre la lentille. Et ça me fait chier, parce que moi j'aime, je veux que la lentille. Parce que le bloc optique il fonctionne et tout le reste fonctionne bien. PS2, tu peux. Ça va de 18 à. De 17 à 19 euros. Son télétaf dans 1h30 comme d'habitude depuis mai. Eh bah tant mieux. Et de quel film? C'est ça. Que je n'ai jamais vu d'ailleurs. On va regarder vite fait, c'est quoi comme lentille? On va voir si on peut la sauver, voir si ça se démonte bien. Vite fait. Oui, j'abandonne pas. Je sais. Complet pour juste un petit composant. Bah, c'est ça, mais c'est un peu le souci de beaucoup de choses. Hein. Si j'en sens un Discord pour que tu joues à ton deux simulateur, t'acceptes de partir de combien de boîtes ultimes? Pourquoi je jouerais à ton deux simulateur? Y'a pas ou quoi? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je m'infligerais de jouer à ton deux simulateur? Tu veux plomber mes stats, c'est ça? Technique du beurre sur la lentille, pardon. Aspirateur robot obligé d'acheter le bloc complet avec le moteur et tout. Ah ouais. Chiant. Surtout qu'on sait que les lentilles de. Enfin les moteurs et tout de PS1, ils sont souvent bien de la merde. Ah ouais, ça a été bien graissé et tout ça en plus. Je suis déjà passé par là. Je reconnais. J'ai plus de coton-tige, faites des dons. Terrible. Lentille pour la rehausser afin de compenser l'usure. Ah ouais? C'est fou quand même. Tu la mettais où ta cale? C'est ça que je me demande.
Les 10 bits, merci beaucoup, le boson, très gentil. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci du soutien. 440 KSM, 440 ADM. Pour un coton-tige, c'est gentil. Avec ça, je prends au moins un coton-tige. KSM, 440 ADM. Qu'est-ce qu'il dit? Il y en a sur Amazon déjà, ça c'est cool. À 33 euros, qui est le prix d'une PS1. C'est cool, hein. 33 euros, t'as une PS1 fonctionnelle. Impeccable. Bon, bah, on va aller voir sur AliExpress, hein. Pas de lentilles pour PS1, mais 2, 3, 4, 8. Ok. Vois, ils vendent pas juste la lentille, hein. C'est tout complet, hein. Ça, c'est des lentilles de 3DO. Ça aussi. Ça, c'est ce que j'ai. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Si tu veux que la lentille, tu peux pas. Va essayer de la démonter, voir comment elle est fichue. C'est la lentille et pas le moteur qui est fatigué. Non, 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 c'est sûr hein, que c'est la lentille. Parce que tu la mets sur le côté et ça marche bien. Non, c'est la lentille. C'est une chose qui arrive assez souvent sur ces machines. Point, point, point. Bienvenue à toi, Ski Doudouille. Merci beaucoup, bienvenue. C'est pas... Welcome. Ça, soit je l'ai serré trop fort, soit ça n'a jamais été démonté. Okay. Hop, hop. Forcément, la nappe, on peut pas l'enlever. J'en ai fait une dernièrement de ces lentilles-là. Ah oui, la vache. Bah, le délire. Faut un pied de biche. Comment ça s'appelle les trucs où tu tapes là? Et ça tourne. À tournevis, ça frappe, peut-être. À frapper. Une pièce de plastique assez fragile qui perd ses propriétés mécaniques et tournoi. C'est un enfer. Ouais. Oh, ouais. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est une blague. La vis qui est là, elle s'enlève pas. Genre réellement. C'est ce truc-là hein, qui perd ses propriétés. C'est la partie blanche qui est là. En fait, il m'oblige à remettre un pantalon pour ne pas. C'est l'hiver. Je suis d'accord. T'es en train de nous regarder, t'étais à poil. Bah, bravo. Voilà. Un sacré frein filet là-dessus, hein. C'était au moins du Loctite. Dans les pièces de remplacement, ils ont. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, si tu veux des infos sur des produits AliExpress, faut se lever tôt. Hein.
Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de nettoyer le miroir qui est en dessous. Ici. En dessous, vous voyez, il y a un petit miroir. Et donc on va essayer de le nettoyer. Et voyez, donc ça, on voit que c'est dirigé vers le bas. Et en gros, c'est ça qui vient faire le focus. Ça se monte, ça monte et ça descend. Tu vois. Après, ce que je comprends pas, c'est que ça, en vrai, même si c'est devenu un peu cassé, enfin, ça a perdu ses propriétés, pourquoi l'électro-aimant, il devrait remonter, tu vois. Moi, je me demande si c'est pas plus. Genre le rail ici. Ce rail-là qui fout la merde, tu vois. Je sais pas. Doivent être similaires, ouais. Je pense pas que les propriétés par contre sont les mêmes. Le plastique, je pense pas qu'ils réutilisent le même, sinon c'est bizarre. Donc là, c'est soit ça fait rien, soit c'est mort, soit c'est peut-être mieux. Et ça, c'est au petit bonheur la chance. Tout juste sur la stabilisation, les lecteurs étaient beaucoup moins tolérants à l'époque. Donc vraiment, ça a été super tolérante. Ah ouais. Franchement, c'est clean. C'est quoi, j'allume le compresseur. Léna, le lien, si tu peux le mettre sur le Discord. Darius Saturn. Oh. Oh, Van Gridman. PS1 ou PS1? D'ailleurs, pourquoi les gens disent PSX? Ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve, façon de parler. Et pourquoi les gens disent PSX? PSX, c'est un modèle bien précis de PS2 chelou. Et tout, les gens disent PSX. PSX ça existe mais c'est une console vraiment spécifique, c'est une multimédia de chez Sony sortie uniquement au Japon. Donc là, c'est pile ou face. C'est soit j'ai tout. Soit j'ai tout niqué, soit j'ai pas tout niqué. Mais non, Kalios. Le vrai? Non. Non, j'y crois pas. Non, je pense pas que ce soit le vrai. Je pense que c'est quelqu'un qui a volé le pseudo. Qui est là? Qui se cache derrière ce pseudo? C'est pas possible. Je n'y crois pas. Dites-moi pourquoi c'est pas vrai. Attention, hein. J'appelle. Je le connais. Je peux lui envoyer un DM. Hein. Il se dénonce, hein. Comment ils vont?
Merci pour ce raid, c'est gentil. Ça fait plaisir. Et oui, bienvenue à vous. Vous vous disiez quoi chez Kalios? Je suppose une fois de plus quelque chose de très quali. Parce que c'est souvent le cas. J'ai bien rendu compte de ces nullos. Comment il va depuis tout à l'heure? Merci beaucoup pour ton raid, hein. C'est très très gentil de ta part. Merci Buck. Jeune gens à Kalios, hein, si vous ne connaissez pas le bonhomme. Je vous invite absolument à le suivre, bien sûr, sur sa chaîne Twitch. C'est très années 90, c'est très très cool, ça parle de plein de sujets différents. Vraiment sympa. Donc vraiment, allez-y. Et du coup, salut à ceux qui arrivent, hein. Mettez-vous bien. Mettez-vous bien. Et forcément, s'il y a Kalios, il y a Mielis. Il y a Mielis. Donc bien sûr, le Kalios, allez le suivre. Bougez pas. Il est où? Il est où, Kalios? Ah, t'es où? T'es caché. T'es où? Ah, je t'ai perdu. Il est là. Oh, je fais chialer. J'ai failli chialer. Et bien sûr, Mielis également. Mielis Tapas. Où qu'elle est? Mielis Tapas. Je vous invite aussi à suivre, bien sûr. Si vous aimez les jeux vidéo, un stream tout pipou, bien sûr. Allez voir ce qu'elle fait. Que ce soit du. Des fois, elle fait du rétro, des fois, elle fait du récent, des fois, elle fait du indé, et des fois, elle fait même des doublages. C'est même pas des fois, en fait, elle fait tout le temps des doublages. Et donc, n'hésitez pas. Bien sûr. Allez, là-dessus. Je suis démarqué. Bien sûr. N'hésitez pas. Il y avait des choses sympas ce matin à regarder. Nous, on se bat avec des trucs. On a refait une Dreamcast qui est là, qui tourne sous House avec House of the Dead 2. On a refait un Game & Watch, vous savez, les nouveaux. On a changé la puce mémoire pour pouvoir y mettre moult jeux. Bien à ça, Zilo. Grosse nouvelle de doublage d'ailleurs. Oh là là! Dites-moi pourquoi c'est pas vrai. C'est bon ça. En parlant de nouvelles, Kalios là, d'Ivoire. D'Ivoire, il aurait pas fait sa demande de partenariat lui là? Oh. Et les news, le Tamagotchi et les dessins animés au top. Ah, impeccable. Impeccable. Pas de nouvelles? Putain, j'espère qu'ils vont te donner ça si mercredi après-midi. De quoi tu vas avoir les tu vas être au courant mercredi après-midi? J'attends. Ah ouais, il donne un délai maintenant? Putain, la chance. Eh ben franchement, bonne chance. Je croise fort les doigts. Hein. On croise les doigts, hein, bien sûr. Non, non. Ah d'accord. Je comprends rien. Je suis fatigué. J'ai fait ma demande mercredi. Ah oui, d'accord. Autant pour moi. Désolé. Je pige pas tout, hein, tu sais moi. On est encore le matin là. Mais bien sûr, en tout cas, un max de ce fort là-dessus. J'espère de tout cœur que ça va le faire. Parce que vraiment, quand tu fais ta demande et t'as juste envie que ça aboutisse. Et j'espère qu'ils vont pas mettre trop de temps à te répondre surtout. Ça, c'est frustrant de ouf. Hein. Moi, je sais que. Bah, après, moi, j'avais pas eu de chance parce que c'était pendant le Covid que j'ai fait ma demande. Et donc, tout le monde faisait leur demande. Et Twitch, ils étaient un peu en PLS. Ils ont mis genre 3 semaines à me répondre. Mais maintenant, ça va plus vite. Hein. Je te rassure, ça va beaucoup plus vite. C'était juste que là, il y avait eu trop de demandes en même temps. Je crois que d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à revoir le système de quand il y avait trop de demandes. On remet du gras. Parce que le gras, à la vie. Et bref. Normalement, si Twitchos, si Bezos, c'est du bon poil, il va valider ton dossier. Hein. Franchement, il y a moyen. Il y a moyen. Tu fais des belles stats en plus en ce moment. Ça serait quand même dommage qu'il valide pas ça. Poimp, poimp, poimp. Poimp, poimp, poimp. Est-ce qu'à votre avis, je vais réussir à ressusciter ce lecteur? À ressusciter ce lecteur. Tel un dieu. On croise les doigts avec la commune, on va ça le faire. Voilà. Voilà.
Je suis un gars de la street et ça va le faire, c'est sûr. Sinon, Bezos, on va lui donner RDV Gare du Nord, direct. Il va pas comprendre. C'est su. En tout cas, bienvenue à vous. Et merci beaucoup pour vous. Bien sûr. Ça se voit. Bah, bien sûr, ça se voit. Et encore, j'ai pas ma casquette à l'envers. Sinon, là, attention. Une prédit. Oh la vache. J'avoue, ça fait longtemps, on n'a pas fait une... les petites prédictions. Il y a des modos qui sont encore là ou ils sont encore au fond du jardin? Les modos, vous êtes là ou pas? Pour une prédiction de 2 minutes sur la lentille, elle marche. N'y a pas que Uber, attention. Hein. Il y a plein de modos. Hein. Ils sont au moins 45. Autant que mon équipe d'avocats. Autant vous dire. Ils sont nombreux. Ça va glisser comme papa dans maman. Combien de temps? Ouais, je dis 2 minutes. Ah, ça y est, on a eu la pred, jeune gens. Ah non, c'est elle fonctionne direct. Genre on met, ça marche, tant mieux. Valider la prédiction. C'est ban ça. Ouais, il n'y a pas de préféré, on choisit pas ses gosses. De plus. Moi, je les aime tous sauf un, ils le savent très bien. Prennent en cours, bien sûr. Votez à vos bulletins. Allez-y, c'est votre moment de voter. Est-ce qu'à votre avis, la lentille qu'elle va marcher? Est-ce que ça va fonctionner first try? Genre, elle lance le jeu. Ou au contraire, le décès total. Genre, purée. C'est la mort. C'est la mort. À vos votes. Votez donc là-dessus. On va remonter ça. Nexan qui vient directement taper la commande Eneba là-dessus. Bonjour. En chantier, je m'appelle Teuse, bien sûr. Ton micro déconne, on t'entend parfaitement. Ah merde! Et moissonneuse, merci. On m'entend bien là? Désolé. Je suis désolé. Il va falloir que je... Ouais, je sais pas, faut que je trouve une solution. On met ça comme ça. J'ai peur que tu aies retrouvé ta voix. Elle n'est pas encore tout à fait là. Qu'on se le dise. Elle n'est pas tout à fait là. La honte, bah, je sais. Mais he's coming. He's coming from very long travel. Enfin, parce que je suis bilingue, en fait. Je vous le dis. Je suis dans la bilinguité. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait. Faut dire ça à Durs, hein. Le texte, c'est Durs s'il l'a fait. Hein. Moi, c'est pas moi. Attention, hein. Faut pas dire ça à moi. Voyons. Si Durs s'il a fait bêtise, attention. Hein. J'appelle la police. Hein. Ça, j'adore hein, quand même. Hein. Bien sûr.
Bon, t'es pas obligé de supprimer. Ou ben, t'inquiète. Hein. Pas grave, hein, ça fait de la pub pour Eneba. Alors, elle est où la pred? C'est fini. Il paraît qu'il y a une faute. Il paraît. Moi, j'ai rien fait. Hein. J'ai rien dit. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi, je t'ai directement balancé, hein, sans scrupule. Hein. J'ai dit oui, vous comprenez, il est très vraiment mauvais, son outil. Je sais pas pourquoi je l'utilise. Ah ouais, direct. Hein. J'ai réellement mis ce clic. Ah merde! Planque tes slips. La police arrive. Ok. Alors. Alors. Attention. Est-ce que ça va fonctionner à dos? Vous êtes prêts? J'allume. Ah bah non, ça c'est le bouton pour ouvrir le capot, le nul. J'entends que ça bouge. Maintenant, est-ce que ça va aller plus loin? Au pire de cas, ça sera un remplacement de l'antilo. Ok, je détectais. Jusque-là qu'on est bon. Jusque-là qu'on est bon. Dites-moi en plus, mon bon monsieur, ma bonne dame, ma petite PS1 de l'amour. Ça s'appelle la PS1 de l'amour. Va-t-elle aller plus loin? Roulement de tambour, l'eau. Dis-moi en plus, Bruno Baumel, où es-tu? Bruno Baumel. Ah non, c'est un programme, je vois en premier. Allô? C'est là, infogramme. Oui, j'ai l'infogramme. Oui. Impeccable. Bienvenue à toi, Nas le vrai. Merci pour ton follow. C'est toi le Nas? Combien de Tera, lol, le Nas? Vous avez compris ou pas? La blague, j'adore l'humour. Et ben alors, c'est pas trop facile la vie? On nettoie pas des lentilles, nous? Moi, je vais arrêter de les démonter et de les foutre au bain ultrason. Je vais nettoyer au coton-tige là. C'est tout. C'est bon. Voilà. Ça marche. Bon, par contre, il y a des chances que je vais la laisser tourner, fonctionner, moult siècles. Il y a des chances que, genre, dans 2 heures, elle marche plus. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, ça, c'est normal. Hein. Elle le faisait déjà avant, elle le refait encore. Merci pour les GG, bien sûr. Chicago, c'est quand même plus marrant. Hein. On est encore sur un jeu Gravax. Hein. Prends ton temps. D'ailleurs, ça a pris du temps là aussi. Je dis pas qu'il faut essayer avec un autre jeu, c'est un coup de chance. Ah ouais? Tu dis ça? Tu penses ça vraiment? On va voir. Je pense que déjà là, elle a du mal. Mais on peut essayer avec un autre jeu. Hein. Et te prouver que t'as tort. Ça, on peut ça. Hein. Parce que là, déjà, elle a plus envie. Chicago 2 jours, elle a plus envie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah, c'est bien. Attendez. Là, elle n'y arrive pas. Bah, c'est avec un autre jeu, hein. On n'a toujours pas validé la pred. Hein. Victuaille. Oh, bah bon appétit là-dessus, mon bon Kalyoz. Bon appétit. Est-ce que ça va marcher? Avec un jeu pas claqué au sol. Alors, l'ascenseur émotionnel, aïe, 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 aïe. Hop. Ça, c'est Ridge Racer. Le jeu vidéo. Vous avez vu, on peut jouer dans le chargement, c'est dingue.
Et c'est un jeu qui se joue pas avec les analogues, je crois. Ou je me trompe? Ouais, c'est ça. On n'a pas le droit de jouer avec les analogues. Bon, alors du coup, il faut drifter tout le temps, c'est ça? Comment drift? D'accord, ça c'est le frein. Ça drifte pas, hein. Ça va le melting pot de musique? Ça vous plaît? On peut pas drifter. Nul sur moi. Yo. Ça drifte pas vos caisses de merde. Ouais, j'ai une haine contre ce jeu. Et alors, j'ai le droit. J'aime pas Ridge Racer. J'aime pas Ridge Racer. J'ai le droit. Frein à main. Il marche pas. Il marche pas. Il frein à main. C'est nul. Vas-y, je vais essayer l'autre Driver 2 qui est claqué au sol aussi. Pour qu'il marche un peu mieux, je le frotte dans mon dos. Va falloir que je me trouve un fournisseur de lentilles bien, quoi. Parce que c'est un peu la myrte. C'est marrant qu'elle fasse ça des fois. C'est le PS Ni, je sais pas, il est déjà fatigué. Ça reste le hack d'une vieille console. Hein. Y a pas de frein à main, c'est une histoire de timing avec les freins. Nul. Casse-grain, c'est pas mal comme lentille, super. Pas comme nos drivers, c'est ça. Je suis un joueur de driver, les gars. Je sais pas drifter avec, avec vos jeux nuls. Allez, lance-toi, s'il te plaît. Bon, la lentille, elle est quand même fatiguée. Hein. Franchement, je pense que ça va pas se lancer. Je sais pas si c'est la lentille ou si c'est le PSNi. Ouais, ça arrive qu'on croise Marie Poilu. Après, souvent, on croise le faux. Les Big Ben et compagnie. Je pense qu'elle va y aller là. Yes. Je pense que c'est plus une histoire de timing que de lentille. Je pense. J'espère. Je crois. Wimp. En avant time. Ah, l'avant time. J'ai vu que tu roulais en R5 turbo aussi, normalement. Bah, je pense que c'est une console à jeu. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser de cette machine. Sais pas. Elle me semble pas pire, mais en même temps. Je sais pas. Merci. Pour mettre la lentille en faute. Non. Je peux aller faire une virée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une petite virée. Allez. Charge les voitures. Allez, là. S'il te plaît. Allez, là. Putain, c'est marrant ça que ça bug au même endroit. Sur un jeu différent. C'était étrange là. N'est-ce pas? Dites ça repart. Hein. C'est pas parti. Normalement, j'en ai un Driver 2 en bon état.
Tiens, rappelez que l'autre est claqué. Ah bah d'ailleurs, faudrait que je le fasse resurfacer, un de ces quatre. Là, j'ai un driver 2. Il n'y a qu'un CD sur celui-ci? Ah non, il y a les deux. En platinium, qui a été resurfacé. On recommence. Et bon, on va pour gagner. Elle est quand même plus costaud, la Dreamcast derrière. Hein. Dreamcast qui sera en vente, je sais pas quand. Peut-être, je sais pas quand. Peut-être semaine pro. Alors. Toué. T'y vaut ou t'y vas pas? Et Joe. Comment il va, le Joe? Là, j'ai tout sauf envie de racheter les lentilles. Ça annule totalement le... Un potentiel... comment ça s'appelle? Un potentiel... bon plan de cette console. De sauvegarde. Elle lit les copies de sauvegarde. Ouais. Ouais, elle lit. Elle lit les dumps. Back on the street. C'est bon, je risque. Ok, bah on peut voir ça cet après-midi alors. Non, non, ça dépend des Dreamcast. Ça dépend des Dreamcast. Les premières versions, elles lisent les dumps. Les autres, les plus récentes, ont une sécurité. Faire une virée, Chicago, 2 jours. Allez, dis-moi que tu charges. Parce que si tu charges pas, ah, le disque en haut, il tourne, voilà. Les deux autres, ils sont juste claqués au sol, en fait. Il me semble que c'est ce qu'on m'a dit, hein. Par contre, c'est dur de s'en rendre compte. Ah, bah oui. Est-ce que je vais pouvoir aller faire un tour là avec mon auto? Bah oui. Bah bien sûr. Chargement. Allez. Oh, me dis pas qu'il a déjà bloqué. Envie de rejoindre Papa Johnny, hein. Si elle bloque sur tous les jeux, c'est pas bon signe. Hein. Elle était jaune, presque orange. Ah ouais, chaud. Allez! Putain, c'est une console qui peut plus jouer à Driver. Putain. Ça me fatigue. Parce que du coup, je suis en train de me dire, ça se trouve, il va falloir que j'achète une lentille. Hein. Bah parce que Ridge Racer, il est nickel de chez nickel. Il a zéro défaut, Ridge Racer. C'est pour ça qu'il passe bien, je pense. Alors que le FMV juste après. Genre la cinématique, je l'ai rarement eu aussi bien. Tu veux que je te remonte le mental? Remonte-moi le moral. T'as réussi à faire tout fonctionner. Je pense que le bloc optique il fait un peu la gueule, ouais. C'est-à-dire qu'il faut que je le change. Et ça veut me dire que ça va me coûter le prix de la console. Du coup, ça me fait chier.
Et du coup, c'est là que tu te poses des questions en te disant, est-ce que je le fais? Ou est-ce que la console, je m'en sers de cale-porte? Cette intro, elle marche jamais sur tous les autres. Et genre là, elle marche, mais par contre, je peux pas jouer. Je t'ai mis deux flex en l'op. Oh là là, tu régales, Botox. Tu régales de fou. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est environ 30 balles là-dessus. C'est chiant. Oh non, le boson, pas ça. Ah oui, mais Rome Nation, tu viens d'arriver, à mon avis. On vient de le faire. Ah, tu vois, là, elle bloque. Bon! Bah, je crois qu'on va mettre non à la pred. Hein. On va mettre non à la pred. Elle fonctionne encore, mais malheureusement, ça ne l'aura pas sauvée. Malheureusement. Elle a d'autres défauts. Bah non, du coup, c'est le seul problème qu'elle a. On lui a installé une puce. Il faut la compléter avec. Le seul souci, c'est qu'il va falloir que je complète avec une manette et tout. Bon, allez. J'arrête d'insister. Elle veut pas, elle veut pas. Hein. Tant pis. Hein. Je pense que là, du coup, elle est trop chaude. Il y a moyen que genre la lentille soit trop chaude. Et du coup, elle galère. Il y a moyen. Ouais, si tu veux, Joe. J'ai envie de réessayer pour voir si c'est ça. Je pense que pas. Je pense pas que ce soit ça. Moins bien, forcément. Profitez bien de mes 40K. Eh oui. Forcément. Ah, c'est risqué, hein. Sur une lentille, de faire autant de puntos, c'est riscado, hein. Attention, hein. Faut avoir les reins solides. Hein. Bon, allez, dernier try, hein. Mais bon, dans tous les cas, ça me convient pas, il va falloir que je trouve une lentille. Vous savez qu'en plus, c'est la PS5 qui a tourné dans le décor pendant longtemps. Hein. Vous le savez, ça. Genre, la lentille, elle a fait ses preuves. Elle a montré qu'elle était là, présente, au taquet, au rapport, bonjour, bonsoir, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps là. Et au final, bah voilà. C'est une lentille qui est chelou. Qui est pas stable. Je sais pas pourquoi. Qui offre la coqueur? Que ça puisse être à Tiny PSN par Kirby. Bien sûr. Ah, ça va avoir des millions plus tard. Et bien, l'expo, c'est moins fiable. Si le numéro est plus attribué. Ah, bah voilà. Est-ce que ça va aller plus loin? Je pense que non. Je pense que non. C'est con, hein. Ah si, j'ai rien dit. On va réessayer. Non, pas mission. Faire une virée. Chicago, 2 jours. Attention, si ça va plus loin, c'est bien. Je pense que là, ça doit charger à un endroit que le CD, que la lentille, elle aime pas. Je pense. Sauf si je mets 2 nuits, c'est différent, tu vois. Ou ça se trouve, si je mets la Havane, c'est encore différent. Et là, du coup, elle va pas aller plus loin. Elle va clairement pas aller plus loin, là. Est-ce que j'ai le seum? Oui. Oui. Alors, on a un écran noir carrément. J'en profite, je vais la revisser.
Du génome, c'est ton... Ouais, mais non, mais moi, j'aime pas ça, en fait. J'aime pas ces trucs-là. Parce que j'aime pas détériorer, en fait, du matériel. Parce que là, elle fonctionne. Elle fonctionne, c'est ça, le truc. Non, mais au pire, je vais faire une inforéa. Hein. Je vais là... Enfin, non, même pas inforéa, lui. Il dépense des sous pour rien en retour. Là, je vais dépenser des sous pour... comment ça s'appelle? Pour pas trop en gagner, quoi. Je vais juste pas être rentable. J'ai été trop loin. Bonjour, bien sûr. Mon seul fonctionne nickel si je sais qui est mort. Non. Non, mais elle est à l'envers là. Elle est à l'envers la console. Donc c'est très clairement le truc de base. Après, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Parce que c'est tout le temps le même problème. Est-ce que tu vois, au niveau de cette pièce en plastique de mort, de Marthe et de mort, est-ce qu'il n'y a pas moyen de genre, tu fais une impression de 0,02 mm. Une toute petite lamelle, tu vois, 0,2 mm. Et tu la fixes à cet endroit-là pour venir justement relever la lentille. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de du coup, résoudre le problème? Genre vraiment, tu fais un truc le plus fin possible, juste pour redonner un petit peu de dureté à la lentille. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a pas moyen. Je crois que je vais le tenter, ça. Je me suis convaincu. La lentille, elle est presque morte. Et je me dis que ça se trouve, une petite réparation de cette partie en plastique. En PETG peut-être, qui résistera mieux à la chaleur de la console. Ou ça fera tout l'inverse. Aïe. Ok. Ah non, la pièce complète, c'est pas possible. Comment je t'éteins, toi, maintenant, t'es à l'envers. Éteins. Ouais, je pense que je vais tenter un truc comme ça. Une couche de 0,2 et de découper dedans au besoin. Ouais, je pense. Je pense. Je vais voir. Mais il faut que je réfléchisse. Faut que je regarde sur Internet si ça n'a pas déjà été fait. Hein. Ça se trouve, ça existe, cette... Je vais pas remettre les vis, du coup. Je vais remettre les vis et je vais tenter... Je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir. Et je me dis que s'il y a moyen de sauver, tu vois, la lentille comme ça, il y a peut-être moyen de moyenner un truc cocasse. Bah ouais, je l'ai mise à l'envers. À l'envers, ça fonctionne. C'est que c'est ça, le problème. Faire des affaires et TPS d'environ 0,3 mm, large de 0,3 mm, 0,5 dans un coin coupé à 45 degrés. Et on peut l'utiliser, partie métallique d'une vieille disquette. Ah oui, non, pour rehausser le truc, ouais, mais ça, je sais pas. Ça, je suis pas fan de ça. À remonter légèrement. Non, justement, il est déjà trop bas, trop haut. Il est trop haut. Il faut le redescendre, le CD. Non, mais je pense que c'est vraiment essayer de voir sur la pièce qui va pas et tenter quelque chose à ce niveau-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Bon, à réfléchir, à méditer dans tous les cas. Faut que je réfléchisse à ça, il faut que je vois si je peux. Ouais. Faut que je vois. Faut que je vois, faut que je vois. C'est. Je vais regarder un petit peu ce qui se fait sur Internet, sait-on jamais. Et on verra. Je pense qu'on verra. Bref, je vous tiens au courant. On va s'arrêter là. Il est 14h30, ça tombe bien. On va s'arrêter là. On en a fini. On a quand même pas chômé aujourd'hui. On a refait cette PS1 là et on a réussi à la pucer pour la première fois. Et ça, c'est pépite. Ok? On a ensuite ceci, la petite Dreamcast qui fonctionne et qui sera prochainement en vente. Je vous tiendrai informé. Une fois de plus, ça sera en pré-vente, comme toutes les consoles ici. Elles seront en pré-vente sur la partie pour les abonnés dans la partie Le Petit Condo. Donc une fois de plus, si vous êtes abonné, vous avez accès à ça. Et puis voilà.
Nous, on se dit à demain. Demain, on va sûrement faire une PS3 Slim, mais c'est pas sûr. Il y a peut-être d'autres choses qu'on va faire parce que j'ai un colis qui est arrivé à Mondial Relay. Donc, si c'est une console client, on verra à ce moment-là. Mais sinon, on se fera une PS3 Slim parce qu'on a fait une commande d'une PS3 Slim loose. Et moi, ça m'arrange. Ça m'arrange de ouf. Donc voilà. Donc, on se tient au courant là-dessus. Une fois de plus, je vous invite à rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de follow le Twitch pour être notifié des prochains lives. Merci pour tout. Vous avez été, une fois de plus, géniaux aujourd'hui. Merci d'avoir discuté dans le chat. Merci beaucoup d'avoir également raid la chaîne, hein, le bon Kalios là-dessus. Fait très, très plaisir. Et merci énormément pour les subs et les dons. Une fois de plus, vous êtes très généreux. Et ça soutient beaucoup la chaîne. Donc, merci à vous. Ça fait très, très plaisir. Bienvenue aux nouveaux qui ont follow. On se dit à demain. Bienvenue à toi, Fanou. Et puis je vous envoie chez Tom Geek or Die, qui tout simplement est en train de faire du Metroid. Et ça, c'est cool. Je vous envoie chez lui. Des bisous, tout le monde. Bye bye. N'oubliez pas de le follow. Ça fait toujours plaisir, un petit follow. Bien sûr. À plus.